إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Très chers frères et sœurs en islam, frères et sœurs qui n'ont iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après qu'il nous fait célébrer et grandir Allah subhanahu wa ta'ala, fait faire Allah subhanahu wa ta'ala ce éloge, nous fait demander son aide, son protection et son pardon, et aussi, sans oublier, remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses bonnes faveurs. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala spécifiquement aux faveurs qu'il avait fait à nous. Il avait donné l'occasion pour qu'il nous complète deuxième partie de un khutbah jum'a qui nous fait concernant implication, l'obéissance, la bienfaisance envers maman, papa dans l'islam. Alors, une petite récapitulation en vitesse avant qu'il nous aborde la deuxième partie, qui nous pas récité et terminé dans sa khutbah. L'islam, c'est un din qui fait une attache grande importance à valer qu'il y a une maman et un papa et un pour les enfants. Pour montrer nous qui quantité ça l'importance valier maman papa dans l'islam, Allah fait nous connaître qui après ce droit qui plie important c'est droit maman papa. Après droit Allah c'est droit maman papa. Et nous fin trouve dans le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala comment il fin empêche un enfant pour manquer ce maman papa du respect même par une simple parole. Ouf! Allah subhanahu wa ta'ala fin interdit un enfant. Un enfant musulman les pays n'a le droit pour dire à son maman ou bien à son papa ouf, Allah dit fala taqul lahuma ouf wa la tanharhuma, n'a pas agir
avec brutalité envers maman et papa. Pas faire bruit avec eux. Pas agir avec violence. Ni verbalement. Encore plus grave, physiquement. Si un enfant qui se nature encore bon dans l'île, ses ici assisés, il réfléchit, salamé, qu'ils ont dit, il remplit avec courage, salipier, qu'ils ont dit, à la force pour permettre lui capable d'y bouter. Comment l'ingé ça? Est-ce qu'il se passe au maman? Est-ce qu'il se passe à papa là? Qui derrière? J'ai dit salamé. Il n'y a doute. Par permission de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des enfants, ils ne peuvent pas oublier. Qui est dans les efforts de son maman et son papa? Si j'ai dit, moi j'ai la force dans mon lamé, moi j'ai la force dans mon lipié, si j'ai dit, moi j'ai l'énergie dans mon écho, imagine quand tu es encore petit, ton lamé pas tu peux capable de faire non rien. Ton lipié pas tu peux capable de tenir toi-même. C'est grâce à ton maman et ton papa qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne beaucoup sabar, il nous donne beaucoup patience. Chers frères et sœurs, Zis essaye, imagine quelle qualité de patience qu'Allah ta'ala donne à une maman, quelle qualité de patience Allah donne à un papa. Et s'ils ont dit sa même patience, patiela dans sa maman là, dans sa papa là, ses enfants là, patiela arrive quand il est arrivé. Ça qu'on nous prend l'île nous-mêmes. Ils ont dit ce qui m'ont été, quand mon passé. Donc c'est là sur la même mon passé pour mon vin là. Par permission Allah. Alors, Kauget Sazis, Allah l'ili connaît, il y a une connaissance. Allah connaît qui difficulté qui a une maman une passé. Donc il a peine un papa une traversée. Donc si nous enfants nous payons la reconnaissance pour nos mamans, papa arrive à un certain moment, Allah non. Allah subhanahu wa ta'ala il reconnaît valer un maman et un papa. À cause de ça même qui vous trouve, Allah subhanahu wa ta'ala il exige que chaque maman et chaque papa qui met des enfants dans la terre, je t'en ai tel et tel et tel droit. Parmi les droits, Allah subhanahu wa ta'ala il empêche un enfant. Il n'en pèse lui. Jusqu'à un simple mot comme un ouf. Il n'en pèse un enfant pour agir brutalement, brusquement avec ses parents. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala peut ordonner, ça c'est une petite chose qui nous finit, qui était, Allah peut ordonner un enfant. Quand ton maman, papa, il arrive dans l'âge, quand je te bise en toi, Allah subhanahu wa ta'ala et ordonne ses enfants là. Agir avec eux en toute humilité. Donne-je te support, donne-je te soutien et même cause avec eux aimablement, gentiment, poliment, parce qu'ils ont mérité ça.
Je mérite ce traitement-là de nous pas. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, même les finances pissent les enfants, malgré qui qualité, mauvais un parent capable mauvais, un enfant, il n'a pas gagné droit. Même ça, Allah pas donné lui raison pour qu'il n'y pas agir bien envers son maman, papa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si ban la pe o donne toi pour commettre shirk avec moi, fala tuti'huma, pas besoin de obéir à eux, mais reste dans une compagnie, dans sa dunya là, dans une bonne façon. Continuez à agir avec eux aimablement. Parce que, malgré eux, tu peux donner toi pour désobéir à Allah, oui, tu n'as pas obéi à eux là-dedans, mais eux restent au maman et au papa. Tu dois eux la bienfaisance. Dans Sourate 31, verset 15. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Parmi les implications, obéir à maman papa dans l'islam, la même qui beaucoup parmi nous, nous fautait. Par manque de connaissances, nous apprenons, mon frère et ma soeur. Et un grand, grand ibadat dans sa dîne là, comme un djihad. Mais get Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah fait place, l'obéissance à maman papa, avec djihad. Lesquels entre ça délai une priorité pour les enfants? Obéis à maman papa, agis bien avec maman papa, fais à maman papa celui qui est content et la préférence le djihad. Nous faisons trouver les hadiths. Une personne est venue, il pose le prophète sallallahu alayhi wa sallam question. Ya Rasulallah, qui action, qui plichait à Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fais un amas dans ce l'air. Ça c'est parmi mon action le plus cher, plus aimé à Allah. Deuxième, sa sahabala repose question. Ensuite, qui action? Le prophète dit, agis bien avec ton maman, papa. Les réponses question encore. Ensuite, qui action? Le prophète dit, fais un djihad dans le chemin d'Allah. Guette le prophète sallallahu alayhi wa sallam, côté une place djihad. Djihad dans le chemin d'Allah, il vient après agir bien avec maman, papa. Comme ça même, mon frère et ma soeur. Parole de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. لجيا إني لا أعلم عملا مباكون أكن أكشن كي بلي بروش avec Allah مباكون أكن أكشن كي كاباف أمين موا بلي بري avec Allah من بر الوالدة كي أجي بيان avec ماما الصحابي ابن عباس رضي الله عنه. Il dit, je ne pas qu'on aucune action qui est capable d'amener moi plus proche avec Allah, qui me reste bien avec mon maman. Sa parole-là, elle est rapportée dans Al-Adab al-Mufrad. Comme ça même, nous t'y trouvons. Obéis à maman papa. Agis bien avec maman papa. Respect maman papa. Être reconnaissant envers maman papa. Il y en a plus valeur qui n'a pas de fil. Nous t'y apprenons, nous t'écoutons. L'histoire de Djou, l'histoire de Djouraïj. Comment Djouraïj, malgré qu'il ait été si bon du monde, et rien qu'il ne fait, son maman, il criait l'île, il reste à la masse. Nous t'apprenons quelle situation il traverse le lit. Alors, ce hadith-là montre nous, qui quantité des enfants, les bisins, il y en a le devoir, peine à nogner, si namaz, si namaz, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire quitter namaz nafil, pas namaz faraz. Quitter sa peine à priorité, l'obéissance à maman, papa. Maman peut appeler toi, papa peut appeler toi, répondre à cette invitation, à cette appel. Ça, c'est
pli important pour Allah qui doit le faire, tu dois le faire rukou sajda, tu dois le faire namaz dans le film. Comprends l'importance, maman, papa, zot rôle dans nous la vie. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, satisfaction de ton papa, il trouve dans satisfaction de ton Rabb. Tant qu'un enfant fait son papa content, il fait son papa satisfait, il peut faire Allah satisfait. Et du moment qu'un enfant lui fait son papa en colère, lui fait son papa mécontent, même si quand tu t'es dit moun, il est capable de content lui, Allah n'a pas content lui. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content lui. Alors, si tu as envie d'un plaisir à Allah, plaisir à Allah trouve d'en faire plaisir à ton maman papa. L'obéissance maman papa, les trouve dans n'importe qui circonstance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, obéis à tes parents, si je donne toi pour sortir depuis ta dunya, sortir à cause de toi. Un enfant, il gagne l'aude avec Allah. N'importe qui travaille, tu es capable de faire. Qu'il y soit, tu peux étudier, tu peux apprendre, tu as l'examen, tu peux travailler, n'importe qui a l'engagement. À ce moment-là, l'entraînement, ou bien jouer, ou bien l'amusement, distraction, ça, il vient encore plus loin, ça. Ça va une qualité, quelque chose là, pas gagner le droit, empêche-toi d'obéir à ton maman, papa. La source, sallallahu alayhi wa sallam, peut dire, obéis à ton maman, papa, si je te, donne-toi pour sortir depuis ton dunia. Si demain, ou maman dit, Zodi, bêta, tu ne visais pas le travail, tu as un travail pour faire pour moi. Ou bien dire oui, maman. Ou doit maman, ça l'obéissance, là. Ça, c'est ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut faire nous connaître. Priorité, c'est pour où, maman. Priorité, c'est pour où, papa. Pena nanye ki Allah subhanahu wa ta'ala npia met nous. Apad ban ibadat ki faraz kuma namaz. Allah subhanahu wa ta'ala ban pia met nous. Comme ça même tina une personne et tu viens inscrit à son nom pour faire jihad. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il demande lui, est-ce qu'il te maman papa encore vivant? Il dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, allez, allez pas ma compte, allez qui besoin, ça même te jihad. Ça. Comme ça même, chers frères, parmi ban implication, obéis à maman papa dans l'islam, comme on dit avant frère, et là c'est un lot facile. Mon maman dit, moi, la boutique, moi, vini. Mon maman dit, moi, faites l'ouvrage, moi, vini. Mais si une maman peut dire avec ses enfants, comme on dit, l'obéissance, maman, papa, pour un musulman, il n'est pas arrêté avec l'âge, ça va, frère. Alors, il ne faut pas me dire, aujourd'hui, Alhamdulillah, moi, j'ai 50 ans, 60 ans, mon maman encore vivant. Mais c'est moi. À ce moment-là, j'ai mon madame, j'ai mes enfants. Mais, je ne vais pas gagner le temps pour prendre compte mon maman qui dit à moi. Je ne vais pas gagner le temps, écoute-lui. L'islam enseigne nos mal frères. Jusqu'à nous mort, tant qu'il nous maman, papa encore vivant, nous doit l'obéissance dans n'importe qui circonstance. À tel point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit à un sahabi, Abdullah ibn Amr, obéis à ton papa, tant qu'il est vivant. Obéis à ton papa, tant qu'il est vivant. Et n'a pas désobéi à lui. L'obéissance, maman, papa, tant que maman, papa, encore, l'isier encore ouvert, nous doit azote l'obéissance. L'as, pas dire non, n'y est ça, cher frère.
Mou kapav in moye, mou kapav moun aten ki statu dan mou la vi dan dounia, sa li na pa fe, li na pa fe oken diferans, mou mama res mou mama, mou papa res mou papa, l'obeysans mama papa li resprime dan mou la vi. Sa se se ki l'islam enseigne. Pou montre nou anko a ki point, jiska kan, nous doit nous maman papa l'obéissance même nous ne finis marié même nous ne finis marié nous capable dans nous madame nous enfants tant que nous maman papa encore là nous doit autre l'obéissance dans le hadith be rapporté par Abu Abdurrahman lidia en personne fin bin kot Abu Darda li fin dia monen madame mon maman PO donne-moi pour donner l'itala. Son maman papa est satisfait avec sa madame qui vient là. Et maman la paix, donne-lui ta là. Abu Darda finit d'y sa personne elle m'a dit Abu Darda, il dit, qui m'a pu faire dans sa situation là? Abu Darda, radiallahu anhu, il donne-lui une réponse. Il dit, Ali, te connais, je fais une tâne depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je fais une tâne l'idée. Papa, c'est meilleur la peau Jannat. Ton papa, c'est meilleur la peau Jannat pour toi ça. Si tu voulais, perdis à la porte là, ou bien préserve-le. À toi de voir. Si tu as envie, préserve la peau de ton Jannat. Alors, obéis à ton papa, ton maman. Et si tu as envie, perdis la peau de ton Jannat, désobéis à Allah. Qu'est l'obéissance, maman, papa? Avec qui Allah subhanahu wa ta'ala fin relier? Hadith rapporté dans Tirmidhi. Ibn Omar radiallahu anhu, il dit à moi, madame, et moi, tu comptes en lui. Mais mon papa Omar, pas tu comptes en lui. Omar ibn al-Khattab, il pas tu comptes en sa belle-fille. Il fin dit à moi, donne-lui ta là. Alors, mon fin refusé. Ibn Omar dit à mon pan, écoute mon papa, mon pan d'accord en lui. Omar radiallahu anhu, il a fait ça complète là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Omar dit à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vini, il dit à moi. Et Ibn Omar, donne sa petite à madame là, ce talaq. Obéis à ton papa. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il nous pas connaît? Le prophète pas connaît? Est-ce qu'il le prophète pas connaît? Qui appelle, qui implication est là dans donner madame talaq? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire avec Ibn Omar, obéis à ton papa, donne sa madame là ce talaq. Ça amène nous à comprendre. Dimension qui appelle l'obéissance maman papa dans l'islam, dans le frère et dans le soeur. Hadith rapporté dans Abu Daoud. Et une seule circonstance dans laquelle nous finissons gagner droit pour désobéir à maman papa. C'est quand nos parents, les PO donnent nous pour désobéir à Allah. Par exemple, si un papa, les PO donne ses enfants, voilà, c'est une petite chose qui est haram pour lui. Ces enfants-là, s'il y en a connaissance de l'islam, alors il gagne droit, refuse sa papa-là. Avec tout respect, en toute humilité, les refis, ce papa, pour l'acheter une petite chose haram, qui papa la paix demande ni pour l'acheter pour lui. Ça, Allah, il donne ses enfants-là, sa droit-là. Comme ça même, mon frère. Si un parent, lui-même, lui peut empêcher ses enfants faire salat, lui met un obstacle. Par exemple, dans l'air salat, lui peut dire aux enfants-là, le faire tel travail. Dans l'air salat, il peut prendre un falat, il peut amener l'ité le place. Que de pas quoi accomplir salat. Ces enfants-là, dans sa situation-là, dans sa circonstance-là, il gagne le droit de désobéir à ses parents. Parce qu'il ode Allah, vine avant l'obéissance maman papa. Comme ça même, Zodi, nous trouve beaucoup de parents. Bonnes parents qui encouragent, qui incitent d'autres enfants. Pour développer la haine, jalousie,
rancune, un apparent même, malheureusement, irrégrettable, mon frère, mais c'est une vérité. Parfois, vous trouvez nos enfants façon, un apparent, façon qu'il y élevé ses enfants, lui montrer ses enfants pour développer l'arrogance envers les autres. Lui montrer ses enfants pour développer rancune, la haine envers les autres. L'ennemité envers les autres. Alors, il y a une réalité, ça, dans la famille même. Parfois, vous trouvez un parent, il dit à ses enfants, un tel, ça n'a pas besoin de trop fréquenter lit, ça n'a pas besoin de trop causer lit, ça. Dans une situation pareille, un enfant qui a la connaissance de l'islam, alors, en tout respect et humilité, si un parent peut montrer ses enfants malhonnêteté, un parent peut montrer ses enfants comment besoin de tricher, peut montrer ses enfants comment besoin coquin, comment besoin embête Dimoun, comment besoin cause mentir avec Dimoun, couillonne Dimoun. Si un parent peut enseigner ses enfants, ça va une qualité qui de choses là, et qui ses enfants là, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne lui une certaine maturité, quand il est capable de distinguer entre le bien avec le mal, il y en a tout le droit pour les refuser, son maman papa, dans sa situation là. Pour dire son maman papa, Allah subhanahu wa ta'ala, finant pisse sa bonne qualité action là, finant pisse sa bonne qualité comportement là, finant pisse sa bonne qualité qui de choses là. Nous prenons dès l'exemple, mon frère, dès l'exemple de mon parent. Dans le passé, nous gagnons l'épisode dans l'islam à l'époque, deuxième calife de l'islam. Une maman qui lui peut donner l'ordre à Sotifi. Lui peut dire avec Sotifi, parce qu'il gagne un petit peu client en plus, il tient une vendeuse du lait. Alors, il a gagné un peu commande en plus. Là, il peut guetter quantité qu'il y en a, il peut trouver pour le manquer. Alors, il dit avec ce petit fille, il dit à lui, Betty, à nous mélanger un petit guide de l'eau dans le gilet là, aujourd'hui, comme ça, nous sommes capables de tout nous vendre client. Tifi l'a dit avec son maman. Il dit à maman, le deuxième calife, Amir ou le Mouminin, il empêche nous faire sa qualité de travail. Maman l'a dit à lui, Betty, mais Amir ou le Mouminin, papa trouve nous là. Et pas pour connaître, pas nous fin faire ça. Et ici, Omar ibn al-Khattab, il est en dehors la case. Il peut écouter la conversation qui peut dérouler entre sa tifila avec son maman. Maman là, Indiali, il dit avec ça, sa tifila dit avec son maman. Indiali, maman, Amir ou le Mouminin, pas nous trouver, mais Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver nous. Omar radiallahu anhu, tellement il finit content, tellement il finit satisfait avec sa tifila, sa réponse qu'il lui donne à son maman. Lendemain, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il finit vini, et il finit demande l'ami de sa tifila pour ce garçon. Comme ça même, mon frère, rapporté dans l'histoire qui tient un petit garçon qui son maman, puis on voit Eli, pour la prendre dans un autre endroit. Et maman là, depuis bien petit, il enseigne ses enfants, il dit à lui, Beta, jamais tu pas cause menti dans toute la vie. N'importe qui arrivait, jamais tu pas cause menti. Un jour, maman là finit faire ses enfants là entreprendre un voyage. Il peut aller pour y aller prendre. Et maman là, il connaît qu'il y a un danger. C'est qu'il va voler. Je t'attaque une caravane en chemin. Donc maman là, qu'il fait, il coûte l'argent qu'il donne à ses enfants pour lui servir, il coûte lui dans ce linge. Et effectivement, en chemin, sa caravane-là finit d'être attaquée par un voleur. Un voleur finit d'arrêter sa caravane-là. Je finis de fouiller avec tout le monde dans sa caravane-là. Et je finis quand on briole tout ban effet de valeur. Et on arrive que de sa garçon-là. Banna dit à lui, et toi, garçon, qui est avec toi? Il dit à Banna, moi, tant somme l'argent, mon maman, il coûte de moulins.
Ben vous voulez dire ça, et ça il veut faire bouffon en nous. Il veut pas dire. Ben l'un qui crie, je n'allais. Les on arrive que notre chef. Les on dit avec notre chef, mais tu as des enfants, il peut dire, soit disant un acteur, leurs ans avec lui. Chef là dit, allez, elle sait ses enfants là, amené. Là, il a le ses enfants là, il a amené. Le chef là demande, et toi, garçon, qui est avec toi? Il dit à mon maman, il coûte tant somme l'argent dans mon linge. Les bananes déchirent ce linge. Vraiment, il n'a tant somme l'argent dans ce linge. Chef là dit à lui, et toi, garçon, mais tu pas connais, nous allons voler. Garçon l'a dit avec ban FCF voler là. Il dit à mon maman, il me dit à moi, jamais n'a pas cause menti. Ça s'est volé là, l'homme, il coulait dans ce ligier. L'homme, il coulait dans ce ligier. Il commence à pleurer et il dit, get nous, halak. Get qui nous peut faire, man, dimoun. Il dit, get ses enfants là. Son maman, il dit, il n'a pas cause menti, il obéit à son maman. Ça, c'est parmi un événement dans l'histoire qui montre nous comment un enfant qui fait une gagne tarbiya, une gagne formation avec son parent, alors comment les respecter, son maman, papa, son instruction. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, surah 29, ayat 8, Allah dit, nous finons d'un insan pour agir bien envers son parent. Si les deux fausses, toi, pour qui tu associes avec moi, qui te sauve, qui te paye la connaissance, pas obéir à eux, c'est vers moi, eux retour, et pour informer eux de ce qu'ils peuvent faire. Alors nous trouvons qui? Allah subhanahu wa ta'ala peut donner l'autre dans le Coran. N'importe quand une maman, un papa obéit à un enfant pour désobéir à Allah dans sa situation là seulement, à part de ça, un enfant, les pays n'a aucun droit pour lui désobéir à son maman, papa. Frère l'islam et son islam, pour montrer nous à qui point un enfant lui doit, lui endetté. T'aimes bien le mot qui nous peut servir, mon frère. C'est ça qui commence à nous dire. Aujourd'hui, il y en a beaucoup parmi nous. Nous peut penser, nous ne faire quelque chose pour nous, maman, papa. Nous n'obéir à maman, papa. Mais si nous allons à la lumière du Coran et du Hadith, peut-être, il y en a parmi nous, nous pouvons surpris. Nous pouvons bien reposer nous-mêmes la question. Est-ce qu'il vraiment ton guette ton maman, papa, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, finit de nous pour guetter? Ou bien ton guette lui, comme toi, tu t'y pensais, ce qui te t'y bien faire pour ton maman, papa? Et ça, quelque chose qui nous peut tendre là, mon frère. Si un musulman, ce iman, ce taqwa pas nous ranger dans ce liquide, difficile pour mettre en pratique ça. Rapporté par Jabir bin Abdullah, il dit, une personne finit dire, Ya Rasoul Allah, moi j'ai leurs ans et moi j'ai leurs enfants. Moi j'ai leurs ans et moi j'ai leurs enfants. Et mon papa peut vouloir prendre leurs ans. Une personne est mine que le prophète. C'est-à-dire, cette personne-là, il y en a son papa d'un côté, de l'autre côté, il y en a ses enfants. Et il y en a leurs ans. Et son papa peut dire à lui, donne-moi tous leurs ans. Sa personne-là, il n'est pas peut connaître qui s'en est vous donner. Vos enfants, ils vous gardent, ou ça pour son papa. Il mine guette le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il peut dire, Ya Rasulallah, guette ma situation. Mon papa peut dire à moi, donne-lui mon leurs ans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à lui, écoute sa réponse là, cher frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à lui, toi et ton richesse, tout appartenir à ton papa. Veut dire tout ce qui te peut dire pour toi là, c'est pas pour toi ça. D'après Allah, c'est pour ton papa ça. Toi et ton argent, tout appartenir à ton papa. Get haq qui Allah il donne une maman et un papa. Dans l'islam, qui sont ses enfants qu'ils ont dit, qui ont sa courage. Ils ont dit à cause de madame, ou de l'église, mon maman, papa. À cause de vos enfants, ou de l'église, mon maman, papa.
à cause de mon business, mon travail, je pas gagné le temps pour prendre compte maman, papa. Je pas gagné le temps pour amener le docteur. Je pas gagné le temps pour venir demander sur nouvelles. Je pas gagné le temps pour venir demander si pas de manger, si pas de manger, si pas une acquis de choses, peut fatiguer ou bien non. Et l'islam qui veut dire, toi avec ton richesse, toi appartenir à ton papa. Ça c'est l'islam, cher frère. C'est Allah qui connaît valer à maman, papa. Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait une donne enfants, maman, papa, lui, il connaît sa papa là, sa maman là, ce haq qui était. Comme ça même, un parent, le connaît dans l'islam, mon frère, un cadeau, qui le prophète dit, quand un djimoun donne un cadeau, pas qu'un droit reprend. Un musulman quand donne un cadeau, il n'a pas gagné le droit. Le prophète dit à celui qui donne un cadeau et ensuite il retourne, il retourne le cadeau, il est comme un chien qui vomit, il peut reprendre sa vomi là. Écoute le prophète qui me dit concernant un parent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à l'ipapé amissible, qui a une personne donne quelqu'un un cadeau, ensuite il reprend lui, excepté ce qui un papa, il donne ce garçon. Excepté ce qui est un papa, il donne ce garçon. Si papa là demain retourne le cadeau qu'il donne ce garçon, sa garçon là, il a les devoirs, retourne papa là, tout ce qu'il donne lui. Ça c'est l'islam. Ça c'est haq, un papa, un maman dans l'islam. Hadith rapporté dans An-Nasa'i. Bien sûr, mon frère, si Allah subhanahu wa ta'ala peut exister tout cela de nous, et celui qui honore son maman, papa, pour le plaisir d'Allah, il n'a doute. Allah subhanahu wa ta'ala, il garde récompense pour lui. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mon fin rentre de Jannah, et mon fin donne une lecture, mon fin demande, qui s'en a ça? Ben là, fin répond, ça c'est Haritha ibn al-Nu'man. Il dit, tiens, un sahabi, qui tu peux lire, le prophète Mutan, sa lecture, qui goûte la Jannah. Alors, Banna Finjia, c'est comme ça la bienfaisance, c'est comme ça la bienfaisance. L'itil la personne qui tu peux agir dans meilleure façon avec ce maman. Et de sa récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mutan, sa lecture de la Jannah. Un enfant qui n'agit bien avec son maman. Hadith rapporté dans Mustadrak, rapporté dans Musnad Ahmad. Ibn Omar radiallahu anhu lui dit, c'est amalo Allah, si tu causes, ben causer tout avec ton maman, te donne-lui manger, certainement tu pourras rentrer dans Jannah, si tu évites, ben grand péché. Cause, ben bon causer avec ton maman, donne-lui nourriture, donne-lui manger, et évite pas le grand péché. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, te pour rendre dans Jannah. Et le contraire, déshonneur, disgrâce, l'humiliation qui peut attendre un enfant qui déshonore son maman, qui déshonore son papa. Rapporté par Abu Huraira, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire, qui son aîné colle avec la poussière, le prophète il répète ça trois fois. Ensuite, qui qu'un fin demander, qui s'en là au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répond, celui qui joigne ses parents, ou bien il joigne les deux dans une liaison, ses enfants, qui allait une faire faveur à leur lit, il préserve son maman et son papa dans une liaison, dans sa présence, et ensuite, l'ipan gagne Jannah. Veut dire, l'ipan qu'on fait khidma sa maman papa là, pour qu'il gagne Jannah à travers eux. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, sa qualité d'enfant là, qui se néné, colle avec la poussière. Qui veut dire ça? Veut dire, sa qualité d'enfant là, qui lui vine un malheureux, un misérable dans sa dunya là.
Et comme ça même, pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a dit la pauvre qui se punition, il est pressé pour descendre dans sa dunya là même. Il a dit la pauvre qui se punition, il est pressé pour descendre dans la dunya même. Premier, l'oppression, faire dominer, faire l'injustice. Deuxième, mal agir avec parents. Mal agir avec parents. Une maman, un papa qui lève la main avec Allah. Quand il arrive à l'air, quand il n'est plus capable de supporter, ça doit aller. Allah subhanahu wa ta'ala descend lui. Allah descend lui dans la dunya même. Et pour montrer nous comment nous honore un parent, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut rapporter dans le hadith, nous terminons, nous restons des hadiths, mon frère. Abu Huraira fin trouve des personnes, il fin demande un entre les deux, qui s'en la salut là pour toi? Il fin dit à lui, ça m'a pas passé. Abu Huraira, il trouve des djimoun. Il demande un là-dedans, il dit, mais l'autre là, qui s'en la pour toi? Il dit, ça m'a pas passé. Abu Huraira dit à lui, il dit à lui, il donne des conseils. Premier, il dit à lui, jamais tu pas appelé lui par son nom. Jamais tu pas appelé lui par son nom. Par respect qu'il y a des enfants bizarres, il a pour son maman, papa, jamais il pas appelé son maman, papa par son nom. Et deuxième, jamais tu pas mort devant lui. Si jamais il peut accompagner toi, tout le temps reste derrière lui, laisse-lui mort devant toi. Et troisième, jamais tu n'as pas assise avant lui. Jamais tu pas crié lui par son nom. Jamais tu pas mort devant lui. Et jamais tu pas assise avant lui. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et au roi Ibn Zubair dit, n'a pas abstenu de n'importe qui te chose qui te parent content. Tout ce qui te parent content, pas abstenir de ça. Et dire, satisfaire je te. Faire ce plaisir, faire ce plaisir. Et un autre petite chose qui, un enfant finit interdit dans l'islam. Et je vous dis, chers frères, ça petite chose-là, malheureusement, les dans beaucoup de bons enfants ont l'habitude de ça. Mais seulement, il y a un grand du monde qui l'a là, je suis capable de témoigner. Si vous demandez, est-ce que je t'ai le droit de faire ça? Mais si je t'ai fait, si je t'ai fait ça, sa calotte qui se tient pour gagner là, il te vous suffit. Aujourd'hui, vous trouvez des enfants qui lui font quand son parent cause au lit. Les lèvres sur la tête plus haute qui parent là, les guettes parents là de son figuier, les fixer lui. Hein, qui te veut dire? Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis rapporté par Hisham, lui dit, Al-Hassan t'y a questionné concernant agir bien envers parents. Les fins répondent, ce qui te donne, ce qui te possède, te obéit à eux dans tout ce qui te donne toi, aussi longtemps qu'il ne sait pas, c'est pas dans NP, péché. Et celui qui guette ses parents un regard fixé, n'est pas fin agir bien envers Banla. Le respect qu'il y a des enfants, il y a pour son maman, papa, quand maman, papa cause avec nous, baisse nos regards en bas. Baisse nos regards en bas. Pas guette ou maman, papa dans notre figure. Pas fixer ou regard l'autre figure. L'islam empêche nous ça. Pas respect, pas humilité qui nous bisaïna pour nous ma, pour nous maman, pour nous papa. Alors voilà, mon frère, en quelques mots, c'est qui l'islam finance nous. Et il reste un petit bout d'Inch'Allah, dans l'occasion après sur la Tesha, nous capables cause l'eau. Comment est-ce qu'il, même après l'amour de nous, maman, papa, nous supposer continuer à agir bien envers eux? Comment est-ce qu'un enfant, il agit bien envers son maman, papa, après son amour? Alors, Inch'Allah, nous bougetli dans la session qui nous fait après la Salatul Isha, parce qu'il nous arrive nous l'heure. Alors, nous remercions pour votre compréhension et pour votre attention. Jazakumullahu khaira. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك